dernière minute de la finale de la Coupe du Monde 2018. Je lui ai dit, Didier, je crois qu'on va être champion du monde. Là, il m'a dit, je crois que tu as raison. C'est Guy Stéphan pour COP Football. Alors bonjour Guy Stéphan. Bonjour. C'est le dernier rassemblement avant l'Euro 2024 en Allemagne. Est-ce que la France est favorite pour cette compétition ? Elle fait partie des favoris. Bon, évidemment, on était finaliste de la Coupe du Monde en 2022 contre l'Argentine, qui fait pas partie de l'Europe. Donc inévitablement, on est un des favoris, pas le seul. Il y a des très très bonnes équipes. Je pense au Portugal, je pense à l'Angleterre, il y aura forcément une équipe surprise comme souvent. Donc voilà, il y a également des très bons joueurs. Moi, je vois jouer souvent les équipes à l'étranger. Je vois des joueurs comme Kane, des joueurs comme Bellingham, Foden, etc. Il y a des très bons joueurs en Angleterre. Il y a de très bons joueurs dans d'autres pays également. Comment on gère ce statut de favori ? On sait que le dernier Euro, la France était favorite aussi et ça s'est moins bien passé. Donc comment on fait pour passer outre ? Donc là, on n'est pas favori. On est un des favoris. Un des favoris. Il faut se préparer avec le plus de sérieux possible. Quand je dis se préparer, ça part du camp de base qu'on va avoir en Angleterre, qu'on s'est efforcé ou que le team manager et l'ensemble du staff s'est efforcé d'aller visiter avant pour voir si ça convenait, si c'était suffisamment confortable sans être luxueux. Et avec le staff médical également. Donc ça, tout ça, c'est un ensemble pour que l'équipe se prépare dans les meilleurs conditions. Ensuite, il y a les matchs de préparation qu'on a en ce moment, qu'on aura au mois de juin. Il y a l'état de fraîcheur des joueurs. Je touche du bois, qu'il n'y aura pas de blessés. Tout un tas d'éléments qui vont faire qu'on va être prêt ou pas et qu'il y aura des adversaires qui voudront aussi nous battre. Évidemment. En parlant de blessures, on a Griezmann qui n'est pas là pour ce rassemblement. C'est les premiers matchs qu'il va manquer depuis 84 matchs manqués. Comment on remplace un joueur aussi essentiel ? Par exemple, s'il n'est pas là à l'Euro, est-ce que ce serait une catastrophe ? On va y aller step by step. Antoine n'est pas là, malheureusement, il a un problème au mollet. Voilà, je ne pense pas que ça dure 2 mois. Hein. Je pense que ça va durer quelques semaines, je ne sais pas exactement combien de temps. Et j'espère et je crois qu'il rejouera bien évidemment avec son club avant la fin de la saison. Alors évidemment, c'est un joueur de très grande qualité. On n'a pas 84 matchs d'affilée avec l'équipe de France, sachant que le deuxième, c'est Patrick Vieira qui a fait 44 matchs, donc il en a fait 42 plus consécutivement. Donc évidemment que c'est un joueur sur lequel on compte beaucoup. Là, sur ces 2 matchs contre l'Allemagne et Chili, donc il va falloir mettre une autre organisation en place. Et on sera 11. Hein. Donc c'est l'organisation qui va faire que les joueurs vont, j'espère, s'exprimer au mieux et être performants. Qui dit du coup dernier rassemblement avant l'Euro, dit aussi dernière liste avant l'Euro. On n'a pas eu trop de surprises. Est-ce que pour cette compétition, on peut s'attendre à des surprises ou est-ce qu'on va jouer la sûreté et un groupe qu'on connaît ? C'est difficile de le dire à l'avance parce que il peut malheureusement y avoir des blessés. Mais si c'était pas le cas, on a un noyau dur, Didier l'a dû le dire, aux alentours de 17-18 joueurs environ. Voilà. Après, ça peut jouer sur les états de forme, ça peut jouer sur la fraîcheur aussi, qui sera très très importante fin mai, juin. Voilà, donc il y a la possibilité aussi au cours de ces 2 matchs, que ce soit l'Allemagne ou que ce soit le Chili, il y a la possibilité pour les joueurs de marquer des points, ceux qui sont plus connus, ceux qui sont moins connus. C'est ça aussi, c'est la compétition et à chaque fois se remettre en cause. Et justement, en parlant de liste, en tant qu'adjoint, quel est votre rôle dans le choix des joueurs ? Est-ce que vous conseillez ? Je participe avec Didier et en particulier Franck Raviot qui s'occupe des gardiens de but à l'observation des joueurs. Donc voilà, et à chaque fois que je vais observer un joueur, évidemment que je lui retransmets après ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de matchs qui sont vus à la télévision aussi et l'avantage de la télé, c'est que quand on passe le week-end, le samedi ou le dimanche, ben on peut voir une douzaine voire plus de matchs. Quand on est en déplacement, ben on en voit un, on le voit bien par contre, parce qu'on a une vision périphérique quand on est dans la tribune et qu'on est capable de voir aussi le langage corporel quand le ballon il est loin. Donc ça donne aussi des éléments. Voilà, ça consiste en ça, ça consiste à
à donner un avis, à échanger avec le sélectionneur, et puis in fine, c'est lui qui prend la décision. Il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à une sélection, peut-être pourquoi pas une première sélection de Bradley Barcola. Pourquoi ce choix de ne pas l'avoir pris ? Il y a des joueurs qui s'expriment bien dans le championnat, qui s'expriment par à coup dans le championnat. Après, les matchs internationaux, c'est autre chose. Bon, Bradley, là, c'est vrai que c'est un jeune joueur avec un réel potentiel. Pour l'instant, il est avec les espoirs. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, il ne passera pas au-dessus, mais là, pour l'instant, il est avec les espoirs. Il y a d'autres joueurs aussi qui s'expriment bien dans le championnat, au milieu de terrain. Et voilà, sachant que la concurrence, elle est rude et qu'à un moment, choisir, c'est éliminé. On ne peut pas prendre tout le monde. Comment ça se passe quand vous accueillez de nouvelles têtes, par exemple la corporation d'un très jeune joueur comme Zaïre Emery ? D'abord, il a été observé avant, évidemment, et on a vu comment il pouvait s'exprimer sur le terrain si jeune, parce qu'au moment où il a été pris, il avait 17 ans. Aujourd'hui, il en a 18. Puis ensuite, il est accueilli au château lorsqu'il y a le rassemblement. Et voilà, on lui explique comment ça fonctionne, les heures de repas, etc., les entraînements, les équipements, voilà, il y a tout un cérémonial qui fait que, avant de commencer, il sait déjà où il met les pieds, et puis petit à petit, il arrive à s'exprimer avec tout le monde. Et le rôle aussi des plus anciens, c'est d'aller vers les jeunes qui viennent d'arriver, déjà en lui demandant de chanter une chanson, déjà, parce que c'est le rituel pour les nouveaux, et il est presque aussi bon là que sur le terrain. Pour revenir un peu sur l'Euro, c'est le seul trophée qui vous manque. Votre duo qui se défend Didier Deschamps, c'est peut-être votre dernière chance de l'avoir. Oh là là, déjà vous voulez nous mettre dehors. Est-ce que c'est votre dernière chance de l'avoir ? Je sais pas, faut jamais dire jamais. Oui. Jamais dire jamais. C'est une occasion là de s'exprimer et d'avoir le meilleur résultat possible. Après, ce que l'avenir nous réserve, personne ne le sait. Hein, personne ne le sait. Et quand on a la passion de quelque chose, quand on a fait de sa passion son métier, eh ben on fait le maximum. Votre relation avec Didier Deschamps, vous êtes ensemble depuis 2009, ça a commencé à l'OM. À quoi ressemble votre relation aujourd'hui ? Comment elle a évolué ? Quel est votre rapport en fait par rapport à Didier Deschamps ? Oh, bah, c'est une complicité qui s'est affinée au fil des temps. Voilà. Quand on a commencé ensemble, évidemment qu'on se connaissait, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et puis depuis 2009, il y a eu énormément de bons moments. Il y a eu aussi des moments un peu moins agréables quand on perdait les matchs. Et c'est là justement qu'on voit la robustesse d'un duo ou d'un staff dans son entier. Et donc, si ça continue aujourd'hui, c'est que ça tient. Et puis surtout, c'est qu'on a gagné des matchs. Et si vous deviez choisir un seul moment que vous avez passé avec Deschamps, ce serait lequel ? Ah, c'est les deux, trois dernières minutes de la finale de la Coupe du Monde 2018. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Je lui ai dit, à 2 minutes de la fin, ce que je fais jamais, je lui ai dit, Didier, je crois qu'on va être champion du monde. Là, il m'a dit, je crois que t'as raison. C'est difficile à décrire, ouais. Du coup, vous êtes tous les deux en équipe de France depuis 12 ans. Vous fêtez votre 12e année. Comment on gère un groupe pendant autant d'années, un groupe qui évolue, qui voit arriver de nouveaux cadres, qui en voit partir ? Alors, ce qui est essentiel, c'était déjà essentiel il y a 12 ans, mais probablement encore plus aujourd'hui, c'est d'échanger beaucoup avec les joueurs. Voilà, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, passer du temps avec eux, discuter, pas forcément de foot d'ailleurs, pas forcément, il faut s'intéresser à eux. Chacun doit se sentir important, ceux qui jouent, les titulaires, ou ceux qui ne jouent pas. Voilà. Après, évidemment, il y a l'aspect tactique, l'aspect technique, l'entraînement, mais il y a aussi l'échange, il y a aussi le plaisir de se retrouver ensemble, le sourire, échanger, etc. sur la famille, sur les enfants, sur un ensemble d'éléments qui font que le joueur va être bien dans sa peau et être en confiance. Et vous avez du coup raconté là votre meilleur souvenir. Oui. Meilleur souvenir sur le terrain, votre meilleur souvenir hors du terrain. Hors du terrain, mais c'était pendant la Coupe du Monde aussi. On avait fait une balade à vélo. Alors, je me souviens plus du jour précis, mais ça devait être aux alentours de la demi-finale, par là. Et on avait fait une balade en vélo. Alors, parce que en Russie, on était dans un établissement hôtelier, mais qui était fermé, voilà, même s'il y avait de la verdure. Et on avait eu l'occasion, et on n'était pas du tout sorti, uniquement pour faire les matchs. Et là, on avait eu l'occasion d'aller s'oxygéner dans la forêt. Et on avait fait une balade à vélo d'une heure qui nous avait fait
le plus grand bien. Vous m'avez raconté ce que vous avez ressenti lors de la finale de la Coupe du Monde 2018, mais lors de la dernière finale de la Coupe du Monde 2022, qu'est-ce que vous avez ressenti dans les dernières minutes, au moment de la séance de tir au but par exemple, ou au moment du deuxième but de Kylian Mbappé? Oui, ben là on passe par tous les états. On a mal commencé cette finale et la première heure de jeu n'était pas de bonne qualité pour plusieurs raisons. Des joueurs qui était un petit peu touché, qui n'avait pas bien récupéré. Il y a le fait aussi qu'on est tombé contre une équipe qui a usé un peu de ruse et qu'on n'a pas pu contrecarrer ça, tout au moins pendant la première heure. Puis après, on vient au score, etc. Kylian marque les pénaltys et on est tout près d'avoir la gagne à la fin. Et puis ensuite, il y a les tirs au but, donc on passe un peu par tous les états. Et puis bon, arrive le dernier tir au but, évidemment, où l'Argentine gagne. Une énorme déception, évidemment. Et puis, on n'oublie pas quand même qu'on est en finale de la Coupe du Monde et que ça n'arrive pas souvent, quoi. Pas souvent. Justement, comment on se remet d'une finale comme ça, là, à l'approche d'une nouvelle grosse compétition? Eh ben, on se remet. On était en 22 à ce moment-là, et le rassemblement d'après, on a gagné contre les Pays-Bas, on a gagné en Irlande. Voilà, on se remet parce que dans le haut niveau, on ne perd pas, on apprend. On va reparler de Griezmann. On dit souvent que c'est le chouchou du sélectionneur. Le chouchou. C'est ce qu'on entend souvent. Ça a même été à demi-mot avoué. Mais qui est le chouchou de Di Stéfano? Tous les joueurs sont mes chouchous. Tous les joueurs. Ouais. Sinon, vous leur demandez, parce que je crois que c'est les joueurs qui ont dit qu'Antoine était le chouchou du sélectionneur, donc moi, il faut demander aux joueurs. Sinon, c'est tous, moi. On a pas mal de bleus qui sont partis dernièrement, des cadres. Oui. On a Lloris, Varane, Kanté, Pogba, qui n'ont pas pris leur retraite internationale forcément. Mais... Ils sont un peu en retrait, oui. Qu'est-ce que ça fait de perdre des légendes comme ça Ah, c'est des cadres supérieurs de l'équipe nationale. Il y a une difficulté de les remplacer, évidemment. Mais bon, en France, il y a un tel réservoir qu'on arrive à avoir des joueurs de qualité, mais évidemment que les joueurs comme Hugo Lloris, comme Steve Mandanda, comme Raphaël Varane, Paul Pogba, Kanté étaient champions du monde en 2018, tout cela, donc on va pas les oublier, voilà. Et pour bon, après, la route continue, nous il faut entretenir la flamme, il faut trouver des nouveaux joueurs, des joueurs qui soient capables de s'exprimer, des joueurs qui soient complices sur le terrain et des joueurs qui ont du plaisir à vivre ensemble, qui ont le sourire et qui ont surtout la niaque et envie de gagner les matchs. Et le prochain qui est amené à partir, c'est peut-être Olivier Giroud. De par son âge, oui. Il a 37 ans, on peut penser que... On est plus sur la fin que sur le début. Voilà. Après, quand... Je ne sais pas, ça lui appartient et ça appartient aussi aux prestations qu'il fera avec son club ou avec l'équipe nationale. Et c'est un joueur qui a une histoire particulière un peu avec l'équipe de France. Qu'est-ce que ça ferait de le voir partir? Olivier, il a toujours fallu qu'il persévère. Ça n'a jamais été facile pour lui. Il a toujours fallu qu'il se batte, une certaine adversité. Et il est aujourd'hui le meilleur buteur de tous les temps. C'est exceptionnel. Il est devant Thierry Henry, il est devant Trezeguet, il est devant Papin, il est devant Zidane, il est devant tous ces joueurs-là, quoi. C'est fantastique, quoi. Alors on espère qu'il en marquera encore. L'Euro, peut-être en Allemagne. Par exemple. Est-ce qu'on a déjà trouvé son successeur au poste de numéro 9? On pense à Thuram, à Kolo Muani, oui. Par exemple. Voilà, ces deux joueurs-là peuvent s'exprimer à ce poste-là. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans les années qui viennent, mais il n'y a pas un joueur qui va être le remplaçant d'un autre. Et ça va être toujours celui-là, etc. Ça n'existe pas, quoi. Ça existe dans les films, ça. Mais sur des grandes périodes, ça n'existe pas, quoi. Faut persévérer et surtout que collectivement, on trouve des solutions. Du coup, cette génération, c'est un peu la fin d'un cycle. Est-ce que la prochaine génération peut faire encore mieux? Pas trop d'accord avec vous, là. C'est la fin d'un cycle. Non, il y a déjà eu des joueurs. On vient de les citer, là. Lloris, Varane, Pogba. Et les autres étaient déjà là en 2022. Les Konaté, les Upamecano, Tchouaméni, Kamavinga était là en 2022. Ceux-là peuvent durer 10 ans. Plusieurs années, je ne sais pas combien de temps, mais ils vont durer un bon moment. Actuellement, là, on doit avoir, sauf erreur, 3 joueurs de plus de 30 ans. Olivier, bien sûr. Antoine, bon, qui n'est pas là pour ce rassemblement-là. Et puis Alphonse Areola, je crois qu'il y a 30 ou 31. Donc voilà, il y a tous les autres. Il y en a beaucoup qui ont 25, 24, 25, voire beaucoup moins. Donc il y a un peu de temps pour eux. Le choix de Kylian Mbappé de quitter le PSG, même si c'est pas encore à 100% officiel, mais on se doute quand même qu'on est vers cette tendance-là. Est-ce que ça change quelque chose pour les Bleus? Rien du tout. C'est son choix. On n'en parle pas du tout. Comment gérer son cas vis-à-vis même des autres joueurs? Non, non, non. Ce qui change un tout petit peu, c'est qu'il joue moins. Il joue suffisamment pour être en forme.
Hein, on l'a vu lors du dernier match encore contre Montpellier. Donc avec nous, évidemment, qui va jouer. Hein, je veux pas, c'est pas une surprise. Voilà. Après, c'est son choix. Ça fait, je crois, 7 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est la vie d'un joueur professionnel. Il change pas tous les ans. Hein. Après, où il va aller, j'en sais rien. Je lis comme tout le monde. J'écoute comme tout le monde. Voilà. De toute façon, il fera le meilleur choix. Et en tout cas, c'est un très bon capitaine pour nous, très fédérateur. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.